Ne vous effrayez pas, ça paraît compliqué et ça me tape. Donc là, la partie à sport est au-dessus. Ça, c'est... Non, c'est en dessous. C'est en dessous quand même. Oui, c'est en dessous quand même. Je voulais dire l'objet qui donne des fruits, mais c'est pas ça. Ouais. Ça donne des spores. Donc on a transformé ce carpophore en sporophore. Ah, d'accord. Ce qui est beaucoup plus... au moins, elle a le mérite d'être assez claire et facile d'utilisation. Et nous allons faire ensemble un exercice avec un champignon. On va quand même faire le tour. Bien, donc comment est-ce que ça fonctionne? Il faut simplement suivre les différentes étapes. Supporte les spores, enfin en tout cas les appareils qui fabriquent les spores. Est-ce que cet hyménium est lisse, plissé ou à aiguillon? Ou est-ce qu'il est à tube ou à lame? Ce sont vraiment... Donc on ne prend pas ce caractère pour être. Et là, on commence à rentrer dans la difficulté. Est-ce que les spores qu'on ne voit pas, ils sont microscopiques? Un champignon peut quand même donner 20 millions de spores à l'heure. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le champignon. On va prendre une petite champignon. J'ai été chercher un moment qui avait été installé. Voilà, je cherchais ça. La cure qui avait été chez vous. T'as le castor qui montait, saute pour toi. Et puis d'après le petit. Un voile général présent sous la forme d'arnie. Alors, l'arnie, c'est une sorte d'anneau qu'il faut connaître. Ça, il n'y a rien à faire, il faut aller voir dans les livres pour savoir ce qu'il en est. Mais ici, vous voyez bien que les lamelles ne vont pas sur le pied du tout. Et donc, nous avons affaire à un champignon dont les lames sont non décurantes. T'as vu qu'à la lune? Il n'y a pas d'anneau. Ça, vous savez tout ce que c'est qu'un anneau. Est-ce que le chapeau est visqueux avec un anneau? Est-ce que le pied est légèrement visqueux, d'accord, mais est-ce que le pied est facilement détachable du chapeau? Non, c'est vraiment parti à dépendre du chapeau. Donc on va aller à 20. Donc, au parking tout à l'heure, on regardera peut-être pour ceux qui veulent. Tout à l'heure, il y avait une algue à l'arbre. Et puis nous avons des drôles de trucs là, ceci. C'est trois espèces différentes au moins. En voilà une rosace, ici une autre. Ici, vous voyez encore des autres espèces de quelque chose que je ne vais pas qualifier de végétal. Je ne vais pas qualifier de champignon. Et pourtant, c'est l'ensemble, c'est une association, donc c'est une symbiose entre un champignon et une algue. C'est ce qu'on appelle les lichens. Alors, c'est pour ça qu'ils sont verts, parce que le substrat est un champignon qui garde dans son corps, si on veut, des algues qui vont faire de la photosynthèse, donc créer du sucre par la photosynthèse, nourrir le champignon qui lui sert de maison. Donc c'est une symbiose. On peut passer 10 fois à côté. Il est un peu plus grand. On pourrait, oui. Mais comme il est coupé, je peux vous le laisser. On le retourne, et qu'est-ce qu'on voit en dessous?
Des tubes. Des tubes, donc, à tous les coups. Plus rouge que ça, mais bon. Vous remarquerez que ces lamelles sont rouges. Et là, aux endroits où j'ai touché, il est devenu tout noir. Et regardez, si je fais ceci, vous allez voir qu'il y a une réaction chimique. Il est bien jaune. Et regardez. Oui, merci. Il va bleuir. Ah, c'est bleu. Ah, c'est pour ça qu'il y a le noir ici. Ah oui. C'est immédiat. Oui. Et ça, c'est une réaction chimique avec l'air qui nous rappelle que ce champignon est quand même toxique cru. Ah. Toxique. Si je vais le manger maintenant, je serai malade. Pas fort malade, mais je le serai quand même. Noir était utilisé par les moines comme encre. Alors, si vous me demandez si c'est un champignon comestible ou pas, je vous répondrai oui et non. En fait, si vous le mangez jeune, oui, pas dans cet état-là, avec une bonne fricassée, et j'insiste, il n'est pas technique. Les Italiens ne sont pas. C'est un champignon qui a une comestibilité qui est goûteuse. Excellent par certains et relativement toxique par d'autres. Mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est une catastrophe pour les forêts. C'est ça que j'ai appris hier.
Et on le fait quand même. Ça, c'est d'abord. Ouais. Voilà. Regarde, ça dit. Ça doit dire que. Pas mal, hein.